Et bonsoir, comment ça va ma Sonia? J'espère que vous allez bien, bienvenue les amis sur Père la Galère Gaming. On se retrouve sur du Xenoblade Chronicle. On en est à la troisième partie de notre découverte. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Alors on s'est quitté tout à l'heure, on était avec, avec notre ami Rex. On va se mettre comme ceci, on va se dire bonjour déjà comme ça. Et c'est l'heure du coucher pour mon fils, mais il est pas très très loin, il est là. Alors il regarde parce que le jeu lui plaît en fait, ça l'intéresse. Alors je vais le laisser un petit peu regarder ça avec nous, et puis après on ira le coucher ensemble. Du coup les amis, on ira le coucher ensemble. On va se mettre comme ça, de ce côté là. Et puis après j'évoluerai selon ce qu'on a à faire. On évoluera sur certainement cette scène-ci pour que vous ayez à votre portée tout ce qu'il vous faut. Alors, on est avec Pyra et on doit aller libérer Nia. Donc on va passer un petit coup. Alors, on a des indices à récolter. Donc on va tiens, on pourrait acheter du poisson aussi, je vois. On a une lame, on dirait une lame de niveau 8, non, si je ne m'abuse. Enfin, on va voir. On va lui chanter une berceuse, mais oui, exactement. Et après, il y a quand même des quêtes secondaires qu'on pourrait faire à droite, à gauche. Mais on va commencer à récolter déjà tous les indices. Et puis après, on ira faire quand même quelques quêtes, je pense. Allez. Ah, mais voilà, mais il y a Turini. Turini qu'on a sauvé juste en arrivant au village, si vous vous souvenez. Alors vous aurez pas entendu parler d'une fille nommée Nia qui a été récemment capturée par les Ardéniens. Turini au parfum, pour sûr, mais info pas gratis. Si Turini commence à donner info à l'œil, debout pas joint. Ah oui, ça c'est sûr. Du coup on fait acheter, d'accord, 3000. Mais on les a pas en fait, donc il faut qu'on aille vendre des choses peut-être. Ok, bon, on va aller vendre des choses et puis on va voir. Alors Turini fait réduc dingo à Amipon et achète toujours pas. Salut mon Melio, bienvenue. Je vais me mettre le chat quand même sur le côté parce que sinon c'est handicapant. Bienvenue à toi mon Melio, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que, enfin c'est rigolo comme on aime bien les mêmes jeux tous à peu près quoi. Allez, faites voir. On va aller. Du coup, on va finir par parler. Alors, Cibourg se vide, Amipon sorte ville, flasque tatouille un monstre et il revient bourge pleine. D'accord, normalement, Turini demande pièce pour renseignement, mais cette info gratis, Turini est grand seigneur. A bientôt, Amipon. D'accord, bon. On a des choses qu'on peut vendre, je pense. Donc, on va aller voir au troc sur gage. On pourrait peut-être aussi faire quelques petites quêtes secondaires. Je pense là derrière on a un trésor. Est-ce qu'on peut le prendre d'ailleurs, du reste, sans se faire ouais, on a l'air. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Protocole de transfert, objet clé obtenu, d'accord. Ah oui, d'accord, il y a des cristaux communs et tout. Cristal cœur commun, il y a des pièces, tout ce qu'il faut. Et bah du coup, je pense qu'on est pas mal, on doit avoir ce qu'il faut. On va quand même aller vendre des trucs. Où est-ce que c'était le troc? Le troc c'était par là, non? Ouais, peut-être. Peut-être que c'était ça. Accordéon, d'accord. Galerie de Péline. Ah non, ça c'est pas le troc, c'est Tross, il s'appelle celui-là, mince. Ah, c'est gentil. Ben oui, je sais, ben forcément. Forcément, c'est normal, je crois. Voilà, troc, c'est ça, troc truc. Eh oui, mais normal, oui, c'est normal, je comprends. Alors, fais voir. Mais en fait, est-ce qu'on peut pas juste parler? Bienvenue chez troc truc. À nous, les trésors, à vous, les pièces d'or. D'accord. Ah, ok. Objet nécessaire et... L'eau disponible, sélectionnez ce que vous voulez troquer. Jeu d'évasion.
Alors, alors, y'a personne à modifier. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Oh, j'avais pas vu. Excuse-moi, excuse-moi, mon Elio. À ta santé, mon chou. J'avais pas vu, je suis désolé. Ouais, je sais pas, ça me va pas trop trop, ça, en fait. Hein. Ressort neige solide, art spécial sans... Art spiral, pardon. Art spiral, donc... je sais pas trop, c'est pas terrible. On va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça du tout, les amis. Parce que ça me plaît pas. On va voir si on a 3000 et puis sinon on ira faire des quêtes tout simplement. Ça nous donnera de l'argent et puis on ira combattre des monstres et ce sera au moins une montée en XP sympa. Alors mes infos pas gratis. Ok, fais voir. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Oui, on a 5000. Acheter. Attention à la bouteille, ouais mon chéri. Ok, on va acheter ça. On va acheter la rumeur donc du coup. Allez, c'est bon. Loïc Bigoudi. Allez, fais voir. On va... De quoi donc? Non, 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 merci, c'est gentil, mon chéri. C'est bien, c'est bien. J'ai appris comment le manier. Ok, ça c'est bon, ça c'est fait. Merci beaucoup. Alors, fille gormitoise, enfermée dans cuirassée titan, clic-clac, prisonnière. Par contre, ma prisonnière pas encore connue, dossier en cours d'élaboration. Mais si rumeur raconte pas énorme carabistouille, gros navire vient juste prendre fil, rikiki et rien d'autre. Gromitois et empire copain-copon. En ce moment, alors, bisbille, pas bienvenue. Circuler, y a rien à voir. À Torigote, majorité des gens du même avis. Turuni, a dit tout. C'est pas plus robinet, pas potin fermé. Ok, bon bah pour l'instant on a que ça. Ami Pont satisfait? Oui, bien sûr, merci. Ok, au secours de Nia, histoire principale terminée. Mais il y avait plein de trucs à faire, j'ai pas compris. Ok, on a pris quand même l'XP, mais on n'a pas pris d'or. Zut alors. Ah mince alors. D'accord, bon. Tant pis, tant pis. Du coup, on n'avait pas parlé aux autres, mais c'était pas très grave. Alors, fais voir ce qu'elle veut, Moti. Alors, nature et verdure sont omniprésentes ici. Si vous voulez vous un souvenir, achetez quelque chose en bois gormontois. Tu veux connaître les détails. Et s'il y a une chose pour laquelle Torigote se démarque, c'est la qualité de ses arbres. Et donc, logiquement, c'est ici qu'on trouve les meilleurs objets artisanaux en bois de tout Gromote. Prenez donc une de ces œuvres d'art entre les mains. Je parie que vous ne voudrez plus vous la reposer, pardon. Impressionnant, non? Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à nous dire? Alors, nature et verdure? Non, pas du tout. D'accord. Ok, ça c'est fait. On a quelqu'un d'autre à parler là. On va aller voir et on va lui parler par contre. Alors l'armée ardienne cherche toujours de nouvelles recrues. Ça vous tente pas de devenir pilote les enfants? Sérieux, vous êtes déjà des pilotes? Encore mieux, je peux vous enrôler directement. On n'exige pas de nos pilotes qu'ils se lient à une lame en particulier. Du moment que vous avez des cristaux cœur, vous pouvez avoir la ribambelle de lame que vous voulez. Après avoir reçu de telles informations, vous allez quand même pas refuser mon offre. Bah si, en fait. Si, on va refuser l'offre. Tiens, là, il y a le café Madéré. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Kira. Bonjour Kira. Bonjour. Alors, vous avez déjà vu un Torigonda? C'est l'instrument de musique dont je joue. Je m'entraîne toutes les nuits, mais ça ne suffit pas. Les Gromontois adorent la musique et si je veux être traité en adulte, je dois devenir une musicienne accomplie. Ok, bon, ça c'était fait. On va aller voir là, du coup. Qu'est-ce qu'il veut Jean-Francis? Comme ça, on aura parlé à tout le monde. Alors, ça va laisser un beau bleu, ça. Le problème quand on est chef de la sécurité, c'est qu'on doit parfois parler au consul. Quel abruti celui-là. En fait, vous feriez mieux de ne pas me déranger, sinon je vais encore me prendre une soufflante. On est toujours en train de chercher cette lame avec un cristal vert. Allez. Cristal cœur vert, bien sûr. Ouais, si tu le orientes vers moi, mon chéri. Voilà, ce sera un tout petit peu mieux parce que j'en ai besoin, en fait. Sinon, il fait un peu chaud.
Merci. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à parler ici? J'en avais l'impression, mais peut-être pas. Bah, bizarre. On a quelque chose? Non, on n'a rien. Ok, allez, Kaira. On va y aller. Du coup, c'est plus bas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Moui? Alors, Gormot a toujours été un endroit sans histoire et ce n'est pas prêt de changer. Je fais partie du comité de vigilance, mais on se tourne les pouces. Il n'y a jamais rien à faire. En même temps, avec nous et l'armée impériale dans les parages, il faudrait être gonflé pour faire du raffut. Ouais, effectivement, là. Ok, bon, ben... Il y a bien eu un léger pépin de rien du tout il y a quelque temps, mais on n'en a plus entendu parler. Ok, bon, pour l'instant, on n'a rien. Allez, on va essayer de descendre. Alors, c'est plus bas. Y a-t-il un endroit pour descendre? Oui, ici. Ok, c'est juste en bas, en fait. Salut, mon prince. J'aime bien m'habiller comme ça. Mais si tu veux, mon chéri, c'est pas un problème, tu sais. Ok. Et alors, on est en bonne. On est au bon étage. Ah oui? Ouais. Fais voir. Ah, c'est la porte de chez Tornas. D'accord. Du coup, c'est là. Oui, c'est là qu'il veut qu'on aille. Ok, allez hop. C'était ici. Oh, pardon. Autant pour moi. Nia et Dromark exécutés, c'est impensable. Mais nous infiltrer dans ce vaisseau de guerre ne sera pas une mince affaire quand même. Notre plan devra être sans faille. Plein de gardes dans le port militaire. Ah, c'est... On a quoi? Déployé les grands moyens. Non, Rex. On... Et re-killer. Ok, désolé. Oui, corruption, c'est ça. C'est une des racines de... Si on en croit cette carte, il semble s'étendre jusqu'au quai de la coque du navire. Et là, on dirait une entrée pour le fret, on pourrait s'y faufiler. Pas bête, personne ne nous verra entrer par en dessous, bien sûr. Pas beaucoup de sécurité à cette entrée, même personne là la nuit pour travailler. C'est notre seule option. C'est pas grave, Massionia, c'est pas grave. C'est le problème quand tu regardes deux streams en même temps, en fait, ma Soso. Ok, alors. Personne n'a encore vu ça. Secret de Tora. L'arme artificielle. Une larme artificielle. Incroyable. Tora a toujours voulu être pilote de l'âme. Non, attends. D'accord. Je veux bien que tu restes là, mais pas un... Mais t'auras pas capacité de réveiller Crystal. Comment peux-tu savoir ça? T'es sûrement pas essayé de... Oh. Alors tu as essayé? Oui, il y a un an, t'auras participé à la campagne de recrutement. Oh mon pauvre. Et voilà, du sang partout. Oh Tora, tu as... Horrible, t'auras saigné du nez pendant 3 jours. Seulement saigné du nez? Comment seulement? Les gens peuvent mourir à cause de saignement. Non, c'était moins violent, c'est ça. Passons, pas important. Tu n'as pas l'air d'être très traumatisé d'avoir frôlé la mort. Passons, parlons l'âme de Tora. Quand terminé, même incassable, Tora pourra parvenir à devenir pilote. Pardon. C'est tout simplement prodigieux. Tu as tout fabriqué toi-même, Tora. Papy Pon et Papa Pon ont commencé ce projet.
Mais Papa Pon mourut et Tora c'est pas où Papa Pon est. Oh. Alors Tora va terminer l'âme tout seul et devenir pilote. Rêve deviendra réalité. Ensuite Papa Pon entendra parler de héros Tora et reviendra à la maison. Oui. Et d'ailleurs, Tora, cette lame, elle m'a l'air achevée. Qu'est-ce qui lui manque? Mais Tora doit juste encore acheter pièce manquante. Alors qu'est-ce qu'on doit prendre? Mais Tora complètement fauché. Oh oui, vraiment. Vraiment. Tu n'as rien, rien du tout. Même pas une pièce d'or. Tu voudrais qu'on t'en prête? Pas un prêt, plutôt un don gracieux. C'est nos ponts. Ils ne perdent pas le nom. Mais si Tora termine l'âme artificielle, capacité en combat seront pratiques pour mission. Oui, si elle fonctionne. Alors, combien il te faut exactement? 60 000 pièces d'or. Une paille. Rien que ça. Un rein avec ça. Du calme, toi. Tora mérite qu'on l'aide. Les nopons et l'argent, ouais, c'est exactement ça qu'il a. Quelque chose? Mais quoi? Rien d'illégal, j'espère. Très drôle, papy. Ceci est un cristal naturel. Il doit valoir à peu près 60 000 pièces. Ça ne va pas. Je ne vais pas te laisser faire ça. Mais ce ne serait pas correct. C'est moi qui vais les payer ces pièces. Admirable. Mais Rex est trop généreux. Ta lame aura intérêt à prouver sa valeur. Tora, elle se charge avec ça. Bien, allons-y. Mais comment on va faire pour payer 60 000? On les a pas. Tout va bien se passer pour eux. Il le faudra bien. Mais on n'a pas l'argent. Mais on n'a pas l'argent. Alors, bon, qu'est-ce qu'il te manque pour terminer cette lame artificielle? Allez, fais voir un peu. Alors, un détecteur parfait et 3 connecteurs bio. Ça ne me dit rien du tout. Un détecteur parfait et substitut pour les yeux. Ok. Et pas donné mes pièces vitales et les connecteurs bien. Ah, ça sert à plein de choses, mais surtout à pas perdre béret. D'accord, ok, bon, c'est un attache béret en fait, et une ficelle, ça suffirait pas. Où pouvons-nous nous procurer toutes ces pièces? Un bric-à-brac de Margia, pardon. Juste, mais on sait plus lire avec leur truc là. Et juste à gauche, une fois passé, porte de Torrigote. Ok, on a certainement déjà dû passer devant. Ouais, je suppose. Par contre, les vêtements c'est important. Mais punaise. 60 000, je sais pas, hein. Vraiment, je sais pas comment on va les prendre, mais on va faire des combats, je pense, hein. On va bien trouver de toute façon. Ils vont bien nous dire s'il leur manque quelque chose, ça va faire de la quête. C'est Killer 06 qui nous parle. Il y a Killer, il y a Amelio, il y a Sonia qui est là. Ah, de qui donc? Ça, c'est pas Ira juste à côté. Pyra. Ouais, Pyra elle s'appelle. Ouais, on va grimper. On s'éloigne peut-être un peu trop loin. Est-ce qu'on passerait pas plutôt par là? Je me souviens plus d'ailleurs du reste. On peut grimper là. Ah oui, non, c'est bon, ça doit le faire. Ça doit le faire, on va passer par là. Et puis après on reviendra dans l'autre sens. Et tout ça va coûter un petit peu cher. C'est pas grave, tu sais, on est là pour ça, c'est pas grave. C'est pas très très grave. On va. 100 000 palombos. des palombos. Mais effectivement, c'est une palombos, c'est pas excessif, mon chéri. Mais quand même, il faudrait voir le
le grand maître de Palombie, pour savoir un peu comment ça va. Alors, attends. Bien sûr. Ça existe la Palombie. Bien sûr que ça existe la Palombie. Alors, je vois qu'on a des points d'intérêt. Voilà, c'est ici. Alors, allez, on va voir ce qui, à combien ça coûte déjà. Alors, salut, qu'est-ce qui vous amène? Tora veut acheter détecteur parfait et connecteur bio. Ah, je vous reconnais. Vous êtes le jeune Nopon qui couvait ses articles du Regard l'autre jour. MMMA vendeur, regardez. Eh bien, vous avez passé 3 heures à les reluquer. Il était difficile de ne pas s'en apercevoir. En tout cas, je suis navré, mais nous... Ah mince, nous n'avons plus de détecteur parfait en stock. Par contre, nous ne manquons pas de connecteurs bion. Ils sont à 4000 G pièces. Ça fait 12 000 pour les 3, c'est pas donné quand même. Rex Rex a promis de tout payer et pas discuter. Mais c'est clair, c'est clair. Bien sûr, je n'ai qu'une parole, mais quand même. Alors, vous êtes un récupérateur, non? Oui, ça saute peut-être pas aux yeux, mais c'est mon métier. Alors, pourquoi n'essayez-vous pas de récupérer des connecteurs bion? Il paraît qu'ils empêchent 13 à la douzaine dans cette saison. Ah bon? Ah mais tiens, mais c'est pas bête. Ah bah ça coûte rien d'essayer en tout cas. Eh ben bonne chance, Wes Wex. Allez, bah écoute, on va aller... Alors, l'âme artificielle... Nouvelle quête. Eh ben oui, on va suivre celle-ci. Et puis après, on fera quelques quêtes annexes aussi, si on a... Si on veut. Alors, tout ça ne règle pas le problème du détecteur parfait. On peut pas en récupérer un dans la foulée. En tout cas, je connais pas de point de récupération réputé pour les détecteurs parfaits. Il est très difficile d'en récupérer. Cela dépend entre autres de la position des titans et de l'état de la mer des nuages. En même temps, dans ces conditions, il faut encore compter sur la chance pour en remonter dans un défilé. On n'a pas tellement le temps de plonger au petit bonheur en croisant les doigts. Et je peux vous demander quelque chose? Cette jeune femme, c'est une lame et vous, vous êtes son pilote, pas vrai? Quoi? Et ben voilà, on va le récupérer là. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Minute papipon, Rex Rex et Tora aussi l'âme. Alors ça veut dire que c'est moi le pilote. Il en découle logiquement que le pilote ne peut être que moi. Bon, on pouvait essayer d'accorder nos violons, histoire d'être un minimum crédible une fois, c'est pas faux. Du calme, inutile de vous disputer. Je ne suis pas qu'un botaniste et qui a besoin d'un coup de main. Botaniste, Tora aurait jamais cru. Oui, les gens sont toujours surpris. Bref, je me rendais sur l'île de Lacham pour un voyage d'études, mais j'ai eu un problème de monstre. J'ai bien demandé à l'armée impériale de faire le ménage, mais visiblement, ils ont d'autres chats à fouetter. Du coup, comme vous avez l'air de vous débrouiller au combat, je me disais que il se pourrait que j'ai un détecteur parfait quelque part. Si vous m'aidez, j'irai peut-être le chercher. Bon, ben voilà. Allez, fantastique. Marché conclu. On va voir ce qu'on peut faire. Vous trouverez l'île de Lacham facilement. Quittez la ville par la porte principale et prenez à gauche. Faites gaffe au Bernie Jupen qui traîne là-bas. C'est pas de la tarte à se coltiner ces bestioles. Je vous laisse te coucher. D'accord. Merci d'être resté avec moi. A tout à l'heure, mon prince. Et bah, tu enlèves ton truc, hein. Tu dors pas avec ça quand même. Avec Bioman. Allez, on va suivre cette quête. Ah, pardon. C'est un costume de Power Rangers, bien sûr. Ok, allez. On va se faire cette quête. Elle est un peu plus basse. Et donc, elle doit être par là. La sortie de la ville, je pense. Ouais, on va commencer par ça. Et puis, comme ça, ça nous fera un petit peu balader, faire de la quête principale. On va essayer de monter un petit peu en XP. Ce qu'il faudrait, ce serait aller dormir, peut-être. Je dis bien peut-être. Et du coup, l'île, elle est... Il n'y a pas un truc qui est accessible, là, où je rêve? Ah non, pas encore, regardez. Non, c'est pas encore accessible, tu vois, on est un peu trop haut. Mais peut-être... Ah ouais, non.
peut-être un tout petit peu plus tard. Il faudra regarder quand, quand l'heure avance, en fait, si jamais on peut y accéder. Oh, pardon. Mais ça, par contre, c'est un peu moins bien, des fois. Mais bon. Alors, par contre, eux, on va les laisser passer. Parce que... Alors, c'est rigolo, parce qu'on voit pas son niveau, par contre. Mais en tout cas, on va essayer... Ah, tiens, un point de collecte. Autant pour moi. On va essayer de pas s'en approcher trop, parce que après, si on se fait arracher comme jamais, c'est pas la peine. Allez, fais bon, on va récolter un petit peu du tournesol, dépenser panda, d'accord. Est-ce que tu crois qu'on peut passer par là, là? Ouais, peut-être. Peut-être, il va falloir faire attention aux oiseaux, parce que, tu vois, niveau 16, on va essayer de faire gaffe quand même. Niveau 7, niveau 9, ça, on viendra se le coltiner peut-être un tout petit peu plus tard. Niveau 17, ouais, bon, on va... Alors, on va s'écarter un petit peu. Regardez sur la carte ce qu'on a. Niveau 10, ok. Il est où? Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on a deux... voilà. Allez, on va utiliser la double frappe aussi. Double tourbillon, pardon. Hein. Après, on chaussera Feyra, regardez, elle est chargée à bloc. On va la prendre. On va faire ça. Ça, on peut faire un petit tourbillon peut-être, regarde. Et on peut peut-être passer sur Feyra après, sur Pyra après, mais on va... Ok, punaise, c'est efficace, ça, hein, vraiment. Par contre, ils sont en train de gambang là tous. Ah ouais, il y a l'aigle qui s'y est mis, en fait. Il y a l'aigle qui s'y est levé. Eh ouais, ouais, il est level 81, l'autre. j'ai vu. On peut nager, c'est vrai? D'accord, ok. Attends, j'ai autorisé. Je sais pas pourquoi il te l'a pas pris, par contre. On peut nager, mais tu vois, j'avais pas fait attention. Attends, on va y retourner. Mais l'école est finie. On peut nager, ouais. J'avais pas... On va essayer de passer quand même. Ouais, j'avais pas... Je pensais qu'il fallait y aller, mais... Bah, d'accord. Mais ouais, par contre, ouais, il nous a bien dégondé, en tout cas. Il nous a bien dégondé, j'avoue. Ouais, mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de nager, en fait. C'était vraiment de... C'était vraiment de voir s'il y avait pas quelque chose qui traînait, en fait, en bas. Oh, il y a du niveau 40, là. T'es sérieux? Ok, on est passé par là, c'est rigolo. Est-ce que c'était ici? Oui, c'était ici, en plus. Mais trop facile. On a pris un raccourci qui rallonge, tu sais. Pas du tout. Alors, c'est sûrement le monstre dont parlait Selwyn. Alors, Tora aimerait aider à flanquer Tatouille. Tatouille. Mais peut-être pas plus utile. Faire diversion. Allez, non, c'est bon. On y va. Alors, mais ne te repose pas que sur moi. Tu as plusieurs lames. Alors, certains. Eh bien, écoute, on va essayer. On va s'y remettre. En attendant, à l'attaque, les amis. Bon, le premier combat avec plusieurs lames, ça n'a pas été de toute beauté, n'est-ce pas? Mais bon. C'est que, en fait, ça aurait pu bien se passer si l'autre il les avait pas gangbang derrière. C'est vraiment dommage. Ok, allez, on va utiliser ça. Un petit peu ça aussi. Voilà, ça devrait aller. Avec un peu de chance. Voilà. C'est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal. Ouais. On n'a pas utilisé le tourbillon, j'avoue. Alors, l'arme artificielle de niveau 2, ok. Est-ce qu'il faut... Ah oui, d'accord, il y en a plusieurs à battre, en fait, c'est ça? Ok, il doit y en avoir plusieurs à battre. Est-ce qu'on se ferait le... on sera à la pêche peut-être après, non? Qu'est-ce que vous en... Et niveau 39, ça c'est pas possible par contre. Mais si, mais il faut grimper. On va essayer... On va grimper par là, alors? T'es sérieux, là? Est-ce que c'est ici? Ah, il y a un trésor. Génial.
Mais niveau 41 là c'est pas possible son histoire en fait. Ah non mais il doit falloir retourner en arrière en fait. Voilà. On va prendre ça. Il doit falloir retourner au village je pense. Je pense que c'est ça. Ouais ouais c'est ça. Merci merci hein. Merci à toi. Hop. Voilà. Allez hop, on descend. Heureusement, c'est assez tranquille comme, comme bestiole, ça. On pourrait essayer de pêcher d'ici. Il nous reste quelques cylindres. De nous en rester un, je pense. On pourrait essayer, voir si jamais on chope quelque chose. À moins que ça soit inutile. Ouais. On va plutôt rendre la quête, parce que, après, j'ai peur qu'en faisant ça, en fait, les gars, pour tout vous dire, on puisse pas, après, si on saute, pêcher... Et qu'on n'a rien, on n'est pas lourd en cylindre en fait finalement. Et donc peut-être garder un petit peu de cylindre. Ouais, il faut que je reprenne l'habitude, faut que je prenne l'habitude de jouer, ouais. Killer, c'est vrai. Ce qui est problématique là, si tu veux, dans la configuration dans laquelle je suis pour pouvoir y jouer en fait. J'ai l'ordinateur portable avec lequel je live qui me cache l'écran. Où les coups se rechargent et donc du coup je regarde mais je regarde en tout petit sur le live juste derrière. C'est pas très très grave mais du coup ça m'empêche un peu de voir. Alors où est-ce qu'il est mon copain là? Il doit pas être très très loin je pense. Il a dû rester par là, ouais regarde il est juste là, tant mieux. Allez, on va lui parler et puis après on ira pêcher. Oh, déjà de retour. Alors, vous avez réglé son compte au Bernie Jupen. Je savais que je pouvais compter sur vous. Chose promise, chose due. Voici le détecteur parfait. Donc, ok, ça c'est bon, déjà c'est récupéré. Faites pas attention à la poussière. Il dormait dans mon grenier depuis des générations, mais il fonctionne. Ouais, c'est un peu compliqué. Je te montrerai un jour comment. Donc je crois que sur le Discord il doit y avoir les photos de... Alors l'alarme artificielle 2 terminée. Ok, celle-ci elle est bien. Maintenant on va aller prendre des cylindres ici et puis partir à la pêche. Alors bienvenue, si c'est de l'équipement de récupération tip top que vous voulez, vous êtes au bon endroit. Allez, combien? Oui, on a 3000 donc on peut en prendre quand même quelques-uns. On va en prendre 4. Ça fait 2000, on va garder un petit peu de sous sur nous quand même, mine de rien. Et puis on va partir à la pêche. On a 6 cylindres. 6 et 1. Bon. Ok, allez hop. Et puis oui, on devrait combattre un tout petit peu plus. Il y a des points d'interrogation là. Il y a des quêtes secondaires. On pourrait se faire des quêtes secondaires. On va aller tout simplement pêcher là-bas en face là. Tranquillement. Et on va essayer de récupérer pour finir la quête en tout cas. Alors le système de combat est assez compliqué, tu prendras petit à petit, mais tu peux te faire la main tranquillement pour assimiler les notions. Ouais, non, mais je sais, ouais, il n'y a pas de souci avec ça. On fera ça au fur et à mesure, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Avec l'ordinateur qui cache les commandes, c'est pas l'idéal en fait. Punaise, tu vois, je l'ai jamais le. Le premier c'est rigolo, j'arrive pas à l'avoir. Je sais pas pourquoi. Là, depuis tout à l'heure, j'ai du mal à me le faire. Mais bon. Ok, allez, résultat de plongée. Qu'est-ce qu'on a eu? On a peut-être pas eu ce qu'on avait besoin. Non, ressort. Non, vis robuste. Il faudrait essayer de faire du... à mon avis... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah si, connecteur bion, on en a un. On en a deux. Et on a quelques pièces. Allez, on va faire la même chose. On va y retourner en essayant de s'appliquer un petit peu sur le premier jet là. Ouais. Parce qu'en fait, le premier est très rapide. Le premier est très très rapide en fait. Allez hop. Ah oui, c'est un beau résultat de plongée ça par contre, tu vois.
Allez, viens ici. Voilà. Bon, là on peut le faire tranquille. Hein. Allez, on va ouvrir les trésors, on va récupérer les pièces, on va faire pas mal de trucs. Porte-clés lumineux, par contre, non, ça c'est pas ce qu'on cherche. Mais on prend quand même, hein, c'est pas grave, on fait pas notre précieuse. Repère ton loot avant d'engager le combat. D'accord. Ok, regarde. On a l'alarme artificielle. Numéro 1. On est bon. La quête est terminée. Qu'est-ce que tu veux dire par là de repérer le loot? Ça dépop rapidement. Ah oui, oui, d'accord, ok. Oui, oui. Ok, ok. J'ai compris. Je m'en ferai bien. Je m'en ferai bien encore. Hein. Sérieux. Juste pour le fun. Ah punaise, je l'ai pas eu. T'as mémé. t'as mémé. Ouais, c'est pas grave. On s'améliorera au fur et à mesure. Hein. N'ayez crainte. Enfin, on va essayer en tout cas. Ok. Bien. Ouais, y'a. Yeah. Alors, on va essayer de. Ouais, surtout ça là. Celui-là. On arrive, chouchou. On prend tout. Allez, viens là. On éveillera d'autres lames aussi, hein. On essaiera un peu plus tard. Je pense que ce serait bien. Moi. Yep, allez, on va prendre le trésor. C'est bon. Attends, on va prendre la fiole. Non, elle est partie. C'est bon, allez. On va rendre la quête, on va voir un petit peu. Après on fera quelques quêtes secondaires, je pense. On va voir jusqu'où ça va nous mener un petit peu tout ça. Alors c'est ici que ça se passe normalement. Ah ben non, je suis bête. Mais non, mais bien sûr, il faut retourner, mais je fais n'importe quoi. Il doit falloir peut-être retourner chez... Chez notre ami. Ça doit être ça. Exactement. C'est exactement ça. Allez, on va descendre les escaliers. On va prendre sur la droite. On va descendre les escaliers. Puis on va retrouver... c'est où? C'est là? Ouais, c'est là. Non, pas du tout, c'est de l'autre côté, c'est pas grave. Alors, non, j'ai pas pris le DLC, si... Je vais voir un petit peu comment je vais arriver à m'organiser, parce que... C'est quand même un jeu sur lequel tu vas passer facilement 100 heures dessus. Donc c'est compliqué à sortir déjà 100 heures sur mon planning. Et surtout qu'à la rentrée, là, j'ai envie, quand l'ordinateur sera revenu, bien sûr, pour que vous ayez des images vraiment au top, comme vous aviez la semaine dernière, je crois, voire la semaine d'avant. Mais du coup, ouais, ça me permettrait, faut que je voie un petit peu, j'aimerais vous faire des choses un peu différentes aussi. Bon. Alors, Tora, nos amis vont bientôt être exécutés, il n'y a pas de temps à perdre. Dépêche-toi. Tora Sim, allez, l'âme artificielle, dodo, est fini. Tora, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas continuer à l'appeler l'âme artificielle. En tant que son créateur, tu dois lui donner un nom. Ah, je pense, oui, je pense qu'on fera le DLC. Je l'ai jamais fait le DLC là-dessus, donc peut-être on le prendra, ouais. Chouette. Alors, tout va bien? Allez, toi, fais les présentations. Tout de suite. Allez, hop. Wakey, Tora's very own blade. Poppy,
Poppy. Il va faire péter l'électricité dans tout le quartier, le mec. C'est ça, ouais. Poppy? Que puis-je faire pour vous, maître? Oh, une minute. Oh, on oublie, ton radeau doit changer de paramètres. Les paramètres. Ah voilà, il devrait être bon comme ça. C'est ça. Exactement. Exactement, killer. Deuxième fois est la bonne. Illumination. La tête. Et je sais pas, tu as fait Xenoblade Chronicle, le premier opus, Killer. Tora a réussi. Tora a réussi, chef d'œuvre de Tora, première lame artificielle au monde. L'âme Poppy. Chef d'œuvre de Tora. Incroyable. Oui. Faut que je le fasse aussi. Je l'ai pas fait moi, je le connais pas. J'ai commencé direct par celui-ci en fait. Tu peux le dire, t'es génial toi. Même si c'était un peu déroutant quand elle était, tu sais, le premier et le deux. Oublie ça, pas la faute à Tora. Je pense. Papa Pon et Papy Pon Soso avaient définitivement fait à Papa Pon. Papy Pon, pardon. Vraiment Tora, hein. Oui, Papy Pon, oui. Mais n'importe quoi. Bref, ça n'a pas d'importance. Rex, allons au secours de Nia et Dromac. Allez, c'est parti. Mon nom est Poppy. Poppy fera tout son possible pour que Maître Pon soit fier. Mais bon, là, sur celui-ci, cet opus sans DLC, il y en a déjà pour 100 et quelques heures de jeu, donc... Alors, cette mégère pète plus haut que son cul. Papa Pon et Papy Pon sont sur un bateau. Papy Pon s'attale. Qui est-ce qui reste? Papa Pon, alors. Mais tout n'est pas perdu. Je refuse de moisir ici. Je ne laisserai pas traîner dans la fange plus longtemps, pardon. Non, je sais pas du tout. J'en ai bien une vague idée vu que je connais un petit peu les mangas en règle générale, mais j'ai pas la référence non, Killer. Alors, tu vas voir ce que tu vas voir, Morag. Ok, elle est espionne derrière. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. J'attendais que tu me le mettes sur le chat. Mais ouais, mais oui. Ça fait sens. Alors, avant de partir, Tora a quelque chose à expliquer à Rex et Poppy. Ok, Poppy a oreille grande ouverte, Maître Pon. Alors, et à propos système de jeu hyper perfectionné, justement, je me demandais ce que c'était. Alors, ça sert à quoi de jouer à des jeux? Ah bah zut alors, Sonia. Non, du jeu Tiger. Et un précieux cadeau de Papy Pon a fait à Tora quand Tora était mini Pon. C'est vrai, mais il a l'air de dater d'hier. Il a pas l'air de dater d'hier. Tora a allumé jeu. Qui veut faire une partie? D'accord. Rex a envie d'essayer. Allez, on va essayer. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Alors, ça a l'air pas mal. Je le reconnais, mais je n'en voudrais. Je m'en voudrais de faire joujou avec ça alors que Nia est en détresse.
Rex, attends, tu auras un argument de poids. Il y a récompense à remporter pour champion Tiger Tiger, pièce pour améliorer Poppy. D'accord, pièce pour Poppy. Raison profonde, pourquoi Papipon a fabriqué jeu et pour utiliser avec Poppy quand Poppy enfin finit. Si, si Amipon trouve Poppy Molasson ou veut Poppy plus balèze, Amipon joue et gagne amélioration pont. Améliora pont. Bon bah vu comme ça, je veux bien faire une partie. On va se faire ridiculiser. J'en suis sûr. Alors toi, explique Rex, c'est rien. Et comme l'Apix a 3 semaines, pardon. Bouton directionnel servent à se déplacer. Appuyez sur bouton A pour attaquer, ok. Pas plus compliqué. Laisse Tora, Rex essayer et comprendre subtilité tout seul. Oui. D'accord, bon bah on va essayer. Prends mode facile, on va prendre mode facile, je te jure. Je te jure qu'on va prendre mode facile. Ok. Easy cacahuète. Qu'est-ce que? On est quoi? D'accord. Qu'est-ce que... Ah, ok. D'accord, tu peux accélérer la descente, ok, j'ai compris. Ouais. Ok. On va aller là. D'accord. Je sais pas du tout ce que c'est, ces cristaux là, mais... Par contre, c'est pas... aïe, c'est pas super... Wow. Ok, on a des coffres. Combien il en faut de coffres? Faut tous les prendre ou bien? D'accord. Bon. Wow. J'ai eu peur. Ah oui, voilà. Mais j'avais tellement eu peur, en fait. Ok. Quoi? Ah, mais zut, j'ai pas compris. Ça remontait après, d'accord. Les petits trucs bleus, c'est de l'éther, d'accord. Et les coffres renferment des cristaux et des pièces d'amélioration. Ok, bah du coup, j'en sais rien, oui. Mais non, mais... D'accord, on peut... ok, c'est comme ça. Eh ben, écoute, on va faire ABC. Voilà. Allez, c'est cool. Rex vraiment doué. Non, pas tellement, mais... Rex, pas récupérateur professionnel pour rien. Elle a les bras qui remuent et tout, elle est tellement mignonne. Ah bah non, je pense aussi que ton expérience de récupérateur s'est révélée très utile. C'est pas parce que je n'apprécie pas le compliment, mais on devrait se dépêcher d'aller sauver Nia. Ah bon, comment on va faire pour atteindre le cuirassé titan où Nia est retenue prisonnière? Et comme par hasard, la mer de nuages baisse en ce moment, la racine dont Pyra parlait est notre meilleure chance. Racine s'étendre jusqu'à Arche de Garagorm. D'ici, plus facile de monter en haut, l'escalier, traverser pont, passer porte et hop, arriver à Arche Garagorm. On ne risque pas de se faire opérer. Ah, zone autour de base ardienne, bien gardée, mes chemins jusqu'à Arche de Garagorn, pardon, devrait pas être problème. On remonte tout seul à la fin. D'accord, ben merci en tout cas. Pardon. Alors, très bien. Alors, faisons comme ça. Poppy va faire de son mieux pour aider. Et du coup, tu peux lui installer les pièces ou pas? Oui, je suppose. Voilà, c'est ça. Le groupe est modifié. D'accord, choisissez. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, on va laisser comme ça. On va peut-être... Alors voici Poppy, la première lame artificielle d'Alrest. Elle ne peut pas utiliser les cœurs auxiliaires, mais peut développer des compétences avec la personnalisation. Menu principal, personnage, lame, Poppy, personnalisation. Ok. Alors, pour pouvoir utiliser les options de personnel, vous devez au préalable obtenir certains objets via le jeu Tiger Tiger. Ça, on vient de le voir. Donc normalement, si on passe par ici déjà, on pourrait sauvegarder. On devrait sauvegarder, comme ça au moins c'est fait. Si jamais il y a un problème, on est comme il faut. On peut la modeler comme on veut, ok. Du coup, lui, c'est pareil. Il a qu'une lame, il a que Poppy. Ok, ça va.
Donc maintenant, on va sortir, on va aller certainement du côté des lames. Gérer les lames? Non. Si. Personnaliser la lame. Voilà. Alors fais voir. Est-ce qu'elle a quelque chose de spécial? Pour l'instant, c'est le début, donc pas grand chose. Il aurait fallu lui mettre quelque chose. Bouclier primitif. On ira lui chercher quelque chose quand même. Modifier. 150 sur... Comment ça marche? Nature de Poppy, lame de terre, ok. Pièce détachée, carte d'art. Yep, pour l'instant on n'a rien de tout ça. Et là il doit falloir refaire un petit peu convertisseur d'énergie. Et ça c'est quoi? Vous ne possédez pas assez de cristaux d'éther. D'accord, ok, capito. Donc il faut reprendre par le jeu, il faut reprendre de l'éther. On a cristaux d'éther, on en a 55 et Rocky il en faut 1000. D'accord, ok. Bon, et eh ben écoute, on fera ça la prochaine fois, je pense. Et là, qu'est-ce que c'est, pièce spéciale? Alors, création du module, blindage numéro 2, Cristo Rocky 600, 200. D'accord. Et donc ça, après, tu as les éléments, on est sur du 5000, cœur de feu, cœur de foudre, cœur de glace. Ah oui, tu peux mettre ce que tu veux. Carte d'art, Cristo Rocky. Alors, antidéstabilisation, d'accord, je comprends. Je comprends bien, c'est parfait, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Alors ça coûte, hein, bien sûr, des cristaux. Mais du coup, c'est pas trop un problème. Tu dois pouvoir arriver à faire quelque chose. Adversité, création possible, ok. Rame compétence. Ok, on a des trucs de blocage, on a des trucs un peu comme ça. J'ai pigé, pas de problème. Exactement, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc là, on a en cristaux d'éther, on a 55. Mais si, par exemple, si on veut mettre, améliorer son blindage, un blindage de niveau 1, on en a un. Un blindage de niveau 1, c'est cristaux Rocky. Il en faut 2, c'est ça? C'est ça. Il faudrait avoir 200. Et puis comme ça, on pourrait lui installer. D'accord, j'ai compris. Et là, du coup, c'est pareil. On pourrait voir pour le reste. Ok, bon. RAM spéciale. Allez, c'est bon, c'est compris. J'ai à peu près pigé. On pourrait peut-être aller lui chercher quelque chose pour se défendre un petit peu mieux. Mais je pense pas qu'il nous laisse le faire maintenant, en fait. Alors, disponible. Créer des pièces. Cristalliser des pièces. Ok. Parce que du coup... Voilà, Tiger. Ok, bon bah on a vu. On se fera ça la prochaine fois. De base, elle a un blindage de niveau 1. Du coup, c'est... bah ça doit être par là, non? On va essayer de voir, mais je pense. Hein. Il faut grimper à l'étage de sûr. Mais peut-être plus par ici, non? Ou je dis des bêtises, c'est possible que ce soit par là. Ça a l'air en tout cas. Alors, quartier. Oh, il y a un trésor là. D'accord. Alors, c'est pour qui? Ah, génial. D'accord, elle nous aide aussi. Wow. Ok, plus d'empathie. Intégrité, ok. Wow. Bravoure, sincère. D'accord. Alors ça, c'est des choses pour les lames qu'on va avoir, je suppose, après. Ok, là il y a du... Il faut grimper à l'étage, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, il doit falloir grimper à l'étage. Et là, ils me disent qu'il faut redescendre. Donc, est-ce qu'on va essayer de voir? Ah, c'est par là, c'est ça? Peut-être. Peut-être que c'est par là. Ouais, c'est ça. C'est ça, les amis. On va voir. Ouais, avec plaisir, ouais. Avec plaisir. Écoute, je te mets le Discord si jamais ça te fait plaisir. Tu pourras nous rejoindre là-dessus, pour qu'on puisse discuter un peu plus. Et je vais te mettre aussi, regarde, les raccourcis YouTube pour les rediffs,
Comme ça, tu as tout et tu sais où nous trouver, en tout cas. Alors, bien sûr, j'ai pas regardé. Hein. Bien sûr, j'ai pas regardé puisque je regardais YouTube, mais j'étais en train de. Alors, par où? Peut-être par là, non? Est-ce qu'on peut passer par là? Alors, ferme. Ferclom? Non, c'est peut-être pas ça. Il faut arriver à descendre. Est-ce que ça descend par là ou pas? Ouais, peut-être. Ou peut-être pas. Alors, on va prendre ça. Et j'ai pas vu la racine où est-ce qu'elle était en fait. C'est juste ça le problème. J'ai pas fait attention. Est-ce qu'on a une racine quelque part? J'ai pas l'impression, mais. Ah, peut-être que c'est par là. Si, si, regarde, elle est là. Elle est là, elle est là. Exactement. Bon, bah, tu vois, sur un malentendu, on a été au bon endroit en tout cas. Cool. Ah, merci. Merci beaucoup. Hop, regarde. Yep, on va sauter comme ça. Hein. Est-ce qu'on a nous. Je fais attention de ne pas avoir loupé quelque chose si jamais. C'est. On sait pas. Pourquoi j'ai perdu. Pourquoi on a perdu des PV là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et. Ouais, d'accord. Tout le monde saute, c'est nickel. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Tiens, on a pris les 1000 pattes. Ok. Bon. J'aime bien ce jeu, il est vraiment bien. Hein. C'est vraiment un très bon jeu. Il aurait fallu peut-être faire un tout petit peu plus d'XP, peut-être. Mais bon, on verra un petit peu. Ok. Lire de corde. Alors, la voie des racines. Développement de niveau 1. Allez, on va aller sauver Nia, tranquillement. D'accord. Mais je pense qu'il faut la faire évoluer comme les autres. C'est alors le Tiger, ouais, c'est peut-être un peu. Si jamais c'est rédhibitoire, si c'est trop difficile. Mais en tout cas, ça peut vraiment être. Ouais, il faut les. Si tu l'amènes jusqu'au bout, il faut la faire grimper. Ouais, au niveau, bien sûr. Alors. Voilà. Allez, on déclenche l'histoire. Ça m'a l'air assez haut. Voilà. Eh ben voilà, nickel. Pirate, you first. I'll pull you up, so hold tight. Allez, il va la hisser. Tu fais ton poids, le mufle. Qu'est-ce que tu as dit? Piou. Écoute Rex, on ne dit pas une femme qu'elle est lourde. Tu m'étonnes. Rex, un peu rustre. Désolé, c'est juste que ça m'a surpris. Non, c'est de ma faute. Je suis plus lourde que Tora, obligé. Parce que Pyra est très grande. Allez hop. Elle va faire grimper tout le monde, c'est. Poppy fait grimper Pyra. Que Pyra se cramponne à nouveau. En même temps, t'as vu, il a juste un tout petit truc, quoi, faut pas déconner. Alors je sais que c'est pas la taille qui compte, mais quand même. C'est pas simple, quoi. Bravo Poppy. Poppy est l'âme artificielle, aucun problème pour Poppy. Elle est trop belle Poppy, j'adore. Si besoin, Poppy pourrait soulever. J'ai pas lu, mince. J'ai pas eu le temps. Gonsalves. L'immuable. Voilà.
Je l'ai. J'ai réussi avec le retour, tu sais, trop fort. Alors, évacuation des déchets, d'accord. Allez, c'est parti. Ouais, il a que 15 ans, c'est pas faux. Mais c'est pas une raison. le mien c'est Rulio et Siglias, et il a que 6 ans. Il y va bien, mon fils. Hein. Et il sait qu'il faut pas dire à une femme que qu'elle fait trop de poids, quoi. Allez, fais voir. On va s'attaquer à ça. Allez, hop. On va faire un truc avec Ok, petite projection, ça va toujours bien. On va y laisser Pyrrha se recharger et puis on va y aller. On va faire un combo avec le feu si on a le temps. Allons. Ok, prouesse accomplie pour Poppy, c'est bon. On y fera monter de niveau après. Allez hop. Punaise, on a pris pas mal de choses là. Il y avait même du violet. Donc ça devrait le faire. Attends, qu'est-ce que c'est? Eh ben viens là toi. Put your best foot forward, Rex. Just watch this. Quietly. Morning already. Venez, arrête pas, si. C'est bon. C'est parti. Ce que je me souviens pas, c'est quoi ce truc? Tu vois que je suis en train de faire clignoter sur la droite, juste en dessous de. Sur la gauche, pardon, juste en dessous de Pyrrha. On va aller faire ça. Allez, on va lui prendre un petit peu. Voilà, de quoi se soigner. Allez, c'est bon. Configuration d'urgence. Ok, le level 10 quand même, hein. On a pas mal avancé. Hein. On a pas mal avancé déjà. Allez, on va grimper. On va regarder, on va passer par le... On va repasser par le menu 2 secondes, les amis. On va regarder au niveau des personnages. On va... Ok, non, de ce côté-là. On va voir Poppy, 2 secondes. Et on va voir ses évolutions. C'est bon. On va lui faire apprendre tout ça, c'est bon. C'est nickel. Ok, allez, ça doit le faire. Normalement, on est bon. Pardon. Qui est sur le côté, tu sais. Il va tomber de l'échelle tout seul, le mec. Allez, passerelle bâbord. Donc, est-ce qu'on passe par là ou on passe de ce côté-là? Peu importe, c'est pareil, non? Voilà, c'est ça, c'est pareil. On va peut-être prendre Feyera après. Je pense, hein, on va essayer, on va voir. Ok, on va faire une double. Ok. Allez, on va utiliser la roche. Ah, on a pris le cristal. C'est ça? Ah non, anti-déséquilibre. Ok, ça on pourra mettre dessus. Attends, je vais essayer de passer derrière. Voilà. Oh, punaise, qu'est-ce qu'elle est bien
La coquine. Allez, une double. Voilà. Alors, par où passe-t-on? Il y a là, on a quelque chose. Est-ce qu'on peut passer là ou pas? Concentration de niveau. Ok, cool, parfait. On va quand même passer de l'autre côté aussi. On va quand même regarder ce que j'ai là, si on a quelque chose ou pas. Est-ce qu'on peut passer par là? La porte, c'est verrouillé de l'autre côté. Ok, donc c'était bon, le bon chemin, c'était par là. Allez, hop. Alors, hello, it's me. Ah bah tu vois, c'est ici. Is it me you're looking for? Master Pond, Poppy can feel there is a blade in the vicinity. Oh, but how can Poppy tell that? Unclear. Poppy feel other blade like wave in air. Huh, I'm not sure I get it, but maybe Dromark is nearby. Let's try opening up some of these doors. Allez hop, poussez-vous, on rentre. Y'a quoi, y'a que Dromak ou y'a Ninia aussi là-dedans? Non, y'a les deux. Ouais, pousse, 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 pousse. Voilà, il fallait qu'il se pousse quoi en gros. J'ai blessé personne. Personne n'a de soucis de sourcils roussis, pardon, désolé. J'ai parfois du mal à maîtriser mes pouvoirs. D'accord. Dromak, heureux de te revoir en vie. Eh, super, Maître Pont, voit, il y avait l'âme ici. Maître Titan, pardon, mais qui sont ces gens? C'est tellement drôle. Ils sont tellement drôles. Attendez, je vais prendre à boire. We don't have much time. Do you know where Nia is? But of course, we are in residence after all. I feel her presence. Then let's go. We can't let her get executed. On ne va pas la laisser l'exécuter. Ouais, désolé. Hein. Désolé, désolé, les amis. À votre santé. Ce n'est bien entendu que de l'eau par les temps qui courent. Il est surtout très très plaisant. Vraiment. Du coup. Quoi? Cellule disciplinaire. C'est verrouillé, d'accord. Je pense qu'on peut pas rentrer là-dedans. Alors là, on est passé par là déjà. Donc on va continuer le chemin, c'est ça. La porte était verrouillée de l'autre côté. Ok, allez, fais voir. Est-ce qu'on en a... Eh, mais viens là. Alors, attends. Fais voir. Voilà. Allez, on va s'occuper de tout cela. Tout cela, là. Ça ira très très bien, c'est pas grave. On est parti. Ça va être sympa quand on sera à plusieurs, là. Allez, hop. On va leur prendre un petit peu de vie aussi. On va se faire un petit truc roche, vite fait. Attends, on va prendre. Ouais, c'est même pas la peine. Allez, on va prendre Faera. Un petit peu, elle est sympa. Petite hypercute qui déséquilibre, on aime bien. Ok, cool. Pas mal, j'adore. Elle est vraiment bien, c'est vraiment bien ce jeu, il est vraiment bien. C'est un jeu de toute beauté. Non, non, on aime bien, on aime bien. Allez, on va peut-être monter à l'étage du coup, je pense. Hein. Ouais, c'est à 53 mètres. Hop, salut. Par contre, on pourra pas passer, j'ai l'impression en tout cas. Alors, je vais, voilà, on va tourner la caméra, ce sera mieux pour vous parce que sinon on n'y voit rien. Allez, on actionne ça, on va lui prendre un petit peu. On va lui mettre une doublette peut-être si on peut. Voilà. Allez, c'est parfait. Alors du coup là je pense qu'on peut pas passer, donc ce qu'il va falloir faire c'est peut-être trouver de quoi arrêter ça, non? Ouais, regardez.
On est là. Allez, on va couper la valve. On peut aussi changer de meneur. Ouais, ça j'ai vu. C'est quand tu composes ton groupe, en fait, tu dis lequel tu veux en premier. Et c'est ce qui te permet de jouer soit avec l'un, soit avec l'autre. Des personnages. Ah, mais non, ça n'a pas fonctionné, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé, c'est pas ça. Ok, celle-ci peut-être aussi? Non. Alors c'est moi, j'ai mal regardé, peut-être il y a un autre endroit où aller. Oui, ça devait être là. Ça devait être ici, exactement, voilà. Allez, on va voir ça. Force herculéenne et concentration pour Pyra. Et normalement on est bon. Donc il va falloir augmenter leur concentration et leurs aptitudes aussi hein, au fur et à mesure. Voilà, c'est bon, on peut passer, c'est ça. Ok, allez, on est parti. Ouais. Allez, viens ici mon chouchou, tu vas voir, c'est un tango. Allez, on va lui tirer un petit peu de vie. On va lui faire une taillade. Voilà, c'est l'air bien. Attends, faut voir. Yep, comme ça tout le monde est soigné. Ok, on a un coffre là-bas. Tiens, comment on peut aller là-bas? Ah, par de l'autre côté. D'accord, par de l'autre côté. Donc il faudra redescendre peut-être et trouver le coffre. Ce serait pas mal hein, de pouvoir faire sa passerelle intermédiaire. Donc attends, Féo. Pardon, attends pour moi. On va essayer de passer par là, pardon. On peut, non, c'est verrouillé, donc on est obligé de passer par le mess des officiers, bien sûr, mais c'est pas grave hein. Salut, non mais faites comme si on n'était pas là. Qu'est-ce qu'on fait, on les dérouille ou pas les gars? Ouais hein. Ouais, je pense que oui hein. Ouais, ils bouffent après, c'est dommage mais bon. Allez hop. On va les dérouiller, c'est pas grave. Moi, il y a tout le monde après, on est tranquille. Attends, fais voir, on va se mettre derrière. Alors, celui-là c'est bon, on va se taper l'autre maintenant. Allez, ça, on va peut-être passer avec Pyra. Allez, on va utiliser Pyra. Voilà, regarde, on a pris plein de pièces en plus. Du fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. On est bien, les gars. On devrait pouvoir équiper un petit peu tout ça. Allez, venez, venez. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais non, j'ai fait n'importe quoi. Autant pour moi. Allez, hop. C'est ça, la pause est finie. Pause café, c'est fini. Allez, on va activer ça. On va venir là. On va se mettre un petit peu derrière, par contre. Oh punaise! Un anti-déséquilibre. Attends, c'est bon. On va utiliser ça. Ah, parfait, parfait. On a quand même des trucs qu'on peut leur mettre. Hein. C'est bon. Hop, il y a une petite pièce là qu'on va récupérer. On va essayer de repasser par le menu juste pour voir. Personnage, oui. Est-ce qu'on passe par les personnages ou est-ce qu'on passe par les lames? Peut-être par les lames plus, non? Fais voir, personnaliser une lame. Voilà, regarde. Ok, coup critique, ça c'est Pyra. Anti-déséquilibre, ok, on pourrait faire ça. Anti-projection aussi. Tiens, regarde. On va faire un anti-déséquilibre. Résistance à la lumière. Anti-déséquilibre, il y en a deux. Anti-projection, résistance à la lumière. Tiens, on va faire ça. Vous ne pouvez pas équiper de corps auxiliaire
Brut. Ah, il faut les retraiter. Donc on ira au magasin pour les retraiter. D'accord, ok, cool. C'est compris. C'est compris, c'est compris. Pas de souci. Pas de souci. Allez, on va passer par là. Est-ce qu'on... On est arrivé par où, nous? Ah tiens, il y en a là, là. Salut, messieurs. La pause café, pause tendresse, c'est fini. Hein. C'était tout à l'heure. Allez, maintenant, on lui fait une double. Il s'est remis derrière, regarde. Allez. Par contre, Payra, elle s'est barrée. Du coup, on va lui faire ça, là, juste là. Ah, mais il y en a d'autres, regardez. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Ils prennent soin de nous, quand même. Hein. Il n'y a pas, hein. Allez. Oh, la projection qui leur met. Ah ouais, ça met une sacrée projection, ce truc-là, là. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à lui faire autre chose, mais on se complète pas trop en fait avec le avec Torma. Ah. Allez, on va se faire une petite chaleur vite fait. Bim. Et c'est génial, il est vraiment génial ce jeu. Mais j'espère que ça va pas disparaître là. Attends, fais voir, on va aller récupérer ça au moins. Voilà. Un petit grappin. Allez, fais voir. On va laisser grimper un petit peu tout ça là. On va bien avoir normalement. Ok, bah ça se passe bien hein, finalement, on est bien, on va lui balancer ça dans la musette et on va faire un truc comme ça, hop là, voilà. Punaise. Ah ouais, c'est parfait. Là je pense qu'on a été pas mal, le lien était très fort en tout cas. On est bien, on est bien, on est bien, je suis assez content. C'est parfait ça. Allez, on va passer en cuisine. Est-ce que on peut passer par là? Est-ce qu'on vient de là? On vient du blues ou pas du tout? Alors attends, si on passe par là, vu la mini carte, c'est l'endroit. On va repasser dans la cuisine. Par contre, du coup, on va certainement trouver des trucs. Ouais, regarde, tu vois. Ok, on a un petit trésor. Mon trésor, mon bouchon. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des petites pièces. Et là, un cristal cœur? Non, résistance terre. D'accord. Bon, tout ça, il va falloir améliorer au magasin. Du coup, on pensait pouvoir faire ça comme ça, mais pas du tout. Tu te trompes, Loïc. On a les gardes. Mais c'est pas un problème, ça. On va rentrer là tranquille, hein, à l'ancienne. Regardez. Salut. Salut. Allez, les gens, José. Oui, oui, on y va, regardez. Ouais, je sais, c'est pas beau, c'est pas propre, c'est par derrière, mais bon, c'est comme ça. Oh, Slipon. Allez, balance-nous ça, mon copain, mon cousin. Allez, on va se faire une petite rush, ici. Ici et maintenant. Allez. Ah, zut. Zut, 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 ma faute, ma très grande faute. J'ai mal joué, tiens, on va prendre Fyra. Comme ça. C'est bien pour l'instant. Hein. Ouais, on se fait un petit tourbillon là, vite fait. Des familles, et on est bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on s'y fait. On se fait aux commandes, c'est quand même plutôt pas mal là. Et on se fait au mode de combat. Alors c'est un peu brouillon, hein, c'est vrai, hein, sur la... Il y en a de partout en fait sur l'écran. Et c'est pour ça que je suis passé avec la... fragment bronze, d'accord. Avec le... Comment dirais-je? Avec la scène avec laquelle je live la Wii en fait. Est-ce qu'on pourrait...
personnage. Ah non, attends, regarde, on va essayer de voir là parce que j'ai vu qu'on avait eu un fragment de bronze. On va passer là, on va aller sur Poppy. Autant pour moi, on va passer là. Et est-ce qu'on peut faire ça? Mais oui, on peut faire ça, regarde. Bouclier des plaines. Ça augmente quand même pas mal, ouais. Hop, voilà. Parfait. On a fait ça. Ça, on est bien déjà. Ouais, mais exact, 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 exact. Et donner des tatouilles aux méchants, c'est exactement ça, ouais. J'aimerais bien trouver le coffre qu'on avait vu tout à l'heure. Je sais pas par où aller le chercher. Mais effectivement, ouais, ouais. Alors, clairement, je pense que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Mais le coffre, je le vois bien par là, en fait. À moins que ça... Ah, l'armurerie. Non, c'est verrouillé. Dommage. Donc, c'est pas par ici. Est-ce que ce serait pas... Ok, d'accord. Alors, on va leur filer des tatouilles, hein, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, mais là, par contre, ils vont nous gangrener. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont nombreux. On est bien, là. Hein. Ok, c'est pas très grave, les gars. Voilà. Ça va être nickel. Regardez. Voilà pour toi. Attends, on va prendre. Ça soigne pas tout le monde par contre, tout ça. Tiens, on va faire une petite tranche. Vite fait, on va prendre ça. On va déséquilibrer ton pote. Là, on va lui faire une petite projection. On va revenir ici. Voilà. Allez, on va faire un petit tour du monde. Hein. Ah ouais, mais le monde, les gars. Ah non, le monde. Est-ce que tout va bien, le monde? Je ne comprends plus rien, le monde. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi, j'en sais rien. Ah zut. Voilà, je l'ai pas laissé. J'aurais dû la laisser faire un tout petit peu. Bon, il est sur de la brûlure, mais j'aurais dû laisser un tout petit peu plus haut en fait. Ok, est-ce qu'il y a encore. Puisque je vois que la musique s'affole. Non, ça va. Alors, regarde, on a un trésor ici. Mon trésor, mon bouchon. Non mais c'est ça, tu sais, il faut prendre son temps sur ce jeu de toute façon. T'as pas le choix, c'est des jeux où il faut monter en XP. Donc de toute façon, il faut pas rusher comme des porcs. Et puis moi j'aime pas rusher les jeux comme des porcs de toute façon. Donc vous inquiétez pas là-dessus, on est clair, net et précis. Alors là, à mon avis, ça va nous ramener en... Je sais pas trop en fait. Où on était, peut-être. Je pense qu'on est déjà passé par là, ouais. Vrai. On est déjà passé par là, le coffre est de l'autre côté. Et je sais pas par où aller le chercher, ce punaise de coffre. Je sais pas par où aller le chercher. On le trouvera peut-être un tout petit peu plus après. Je sais pas, on va regarder. Ah, j'ai pas fait attention. On peut prendre des options pour Tora, j'ai pas vu. Fais voir ça. Alors. Poppy, Tora, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai rien fait pour Tora, exactement. Ah ouais, j'avais pas fait attention. Exact. Super foreuse. Super propulsion. Alors combien il a par contre de points? Je vois pas, attendez hein, deux secondes. On est où? On est là. On en a quelques-uns de points, mais j'arrive pas à voir. Ah oui, 640, je suis bête. Point Rocky 400, super propulsion. Ah, c'est pas mal ça, super propulsion. Donc dégâts 310. Là, dégâts 240. Augmente l'hostilité générée par les arts de pilote. Bouclier rigide. On va améliorer celui-là. Ouais. On va améliorer. On va renforcer ça. On va regarder un petit peu. Assigner les lames. Pour qu'elles vous accompagnent. Ok. D'accord. Lui aussi peut avoir des lames supplémentaires. Ok. C'est bon à savoir.
Donc ça, il faut bien regarder. Est-ce qu'il a des points de ressources suffisants? 625, 500. Alors, permet d'utiliser l'art de pilote assigné bouton X, ouais, d'entrée. 300 et des brouettes. Alors, il a 1000, donc on peut déjà peut-être essayer de faire augmente la chance, augmente les PV max, augmente la dextérité. On va peut-être faire ça, la dextérité, et puis on va peut-être faire ceci. Ok, je pense que normalement c'est pas trop mal comme ça. On peut faire un truc dans ce goût là. Il en reste 600 et des brouettes, 750, 625, et on en a annoncé 600 ou 300. Non, c'est 397, donc on n'a pas assez. Allez, c'est pas grave. On ressort, on fera ça plus tard. On peut lui donner quelque chose peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il a? Un fil rouge, c'est quoi? Augmente la portée et l'entente entre la lame et le pilote. Oh, ça, c'est pas mal ça. Bottes de loup, accessoires de lance, ceinture de force. On va lui mettre une ceinture de force. Je pense que c'est pas mal. Et je pense que là, on est bon finalement. Ouais. Allez. Allez, on va en profiter pour sauvegarder. Et on y retourne. La chance, c'est pour éveiller les lames. D'accord. Voilà, pi, voilà, pas, voilà, poum. On est bon. Yep, comme ça. Allez, on a 8000 pièces quand même, c'est pas mal. Du coup. J'ai du mal à voir sur la petite carte. Allez. Donc l'armurerie est bloquée. Par contre, on va passer par là. Et on va aller sauver Nia. Oh, ça commence à tirer. Who are you people? They're the terrorist friends. We are her friends, but I won't let you call her a terrorist. Alors, nous sommes ses amis, mais je vous interdis de nous appeler des terroristes. Okay, time to take you down. D'accord, là il y a le chef. Voilà, c'est celui-là. On va commencer par celui-là. Déjà, je vais le mettre derrière aussi. Ça ira mieux. Enfin, si nous laisse faire. Ok. Allez, on va passer sur Fyra. On va lui mettre une bonne projection dans sa mouille. On va faire un petit tourbillon de famille. Allez, hop, on fait ça. On a une tornade qui se prépare. Allez, on va changer, on prend Pyra. Voilà, tout est rechargé. On est bon, on va le laisser faire. Allez, une petite chaleur. Ah zut. Bon, c'est pas grave, on va faire une roche pour là-bas. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On peut laisser ça comme ça. On va passer de l'autre côté, regarde. On va essayer de le mettre par terre. Voilà, une petite projection, c'est toujours bon. Allez, c'est bon. On y arrive. Ouais, c'est ça. On met KO tout le monde, mais on n'est pas des terroristes, faut pas déconner. Hop, on va prendre Pyra. Allez, on se fait une petite chaleur vite fait, tous les deux. C'est bon. Allez, on va la sortir de là, les amis. Et puis après, on va s'arrêter là, pour ce soir en tout cas. Et non, c'est pas Jean.
c'est pas Billy Jean, c'est nous. Ouais, il avait déjà fait sortir de prison, je pense. D'après ce que je vois, mais là c'est pas Jean. Et du coup, elle est un peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ne t'en fais pas, je pensais que personne ne viendrait. Comme si on allait t'abandonner. On laisse pas tomber ses amis dans le besoin. C'est le deuxième commandement. Eh ben, on peut dire que tu le suis à la lettre. Ouais. Rex, Rex. À nos ponts. Il nous a plutôt bien aidé. C'est notre ami. Oh punaise, on va être à trois. Ça va être trop bon. Bien, ne moisissons pas ici. Bien, bien, bien. Ça va être très très bien ça. On va faire des... Et ouais. Le groupe a été modifié. On va pouvoir mettre des lames à tout le monde là, différentes. On va en créer des différentes. Et je pense que ça va être vraiment génial quoi. Allez. On fait comme ça, on reste comme ça. Alors vous avez retrouvé Nia Senesov. Maintenant que votre groupe est composé de 3 membres, il est temps de parler des rôles et des classes. Alors, les lames s'éveillent avec un rôle inhérent qui peut être attaquant, soigneur ou tank. Pyra est une attaquante et Dromak un soigneur. Les types de lames assignées à un pilote déterminent le style de combat et celui ainsi que sa classe. Certaines classes mettent l'accent sur l'attaque, d'autres sur la défense ou sur un équilibre des rôles. Chaque classe possède ses propres effets spéciaux. Vous pouvez assigner vos lames favorites ou effectuer un choix stratégique pour favoriser certaines classes. Choisissez ce qu'il vous convient le mieux, en tout cas. Les lames ne peuvent pas changer de rôle sauf Poppy qui, en tant que lame artificielle, peut changer de rôle grâce à sa fonction personnalise à pont. Jouez à Tiger Tiger pour obtenir de nouveaux processeurs qui permettent à Poppy de changer de rôle. Bien, si vous avez bien intégré tout ça, vous n'avez qu'à, plus qu'à reprendre la partie et jouer les filles de l'air. C'est trop bien, vous avez débloqué clé d'accès au niveau 1. Ok, bah écoutez. Du coup, une cellule juste à côté. Non, elle est verrouillée, dommage. Est-ce que vous croyez qu'on peut passer par l'armurerie ou pas? Yep, bien sûr qu'on peut passer par l'armurerie les gars. Ok, repère, raffinerie, armurerie. Ah, on doit pouvoir passer peut-être par ici, on a le coffre. Alors, on dirait que le hangar est par là. On va pouvoir s'échapper d'ici. Mais impossible d'ouvrir la porte. La porte trop solide, même pour Poppy. Oh, on est si près du but, pardon. Rex, regarde par là. Ok, bon, écoutez. Ah, bien vu, ce bouton sert à ouvrir la porte. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de l'activer. Allez, on va essayer. Poppy a déjà le meilleur processeur. C'est vrai? D'accord. Alors, s'il permet en effet d'ouvrir la porte, nous pourrons sans doute nous échapper en passant par le hangar. Qu'est-ce qu'on attend alors? Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on trouve un moyen d'entrer là, de monter là-haut, pardon. Du coup, ouais, on va regarder ça. Alors, contrôle de la cloison. Qu'est-ce qu'on a fait voir? Ok, obtenu clé d'accès du niveau 2. Ok. Il faut qu'on arrive à grimper là-haut. Mais comment? Alors, fais voir déjà. Contrôle de la cloison. Alors, ceci n'est pas alimenté. Ok. On a trouvé des clés. Donc, on va peut-être essayer de revenir en arrière et de grimper un petit coup. Non. Est-ce qu'on avait des portes qu'on n'a pas pu ouvrir? Je me souviens plus. Salut. On ne fait que passer. Ah, salut, trop tard. Ah ouais, non, mais en plus, ils rentrent comme une petite fillette, là. Oh non, puis ils sont des millions, en plus. Ils sont complètement des millions. Bon, tant pis. Ah,
Allez, on va essayer ça. Ok, petit déséquilibre par ici, on va revenir par là. Allez, un petit aqua. Ah ouais, il y a trois personnages effectivement en roche. Ça va être terrible. Vraiment, ça va être terrible. Hop. Ah mais là, mais ils vont se faire laminer les mecs, on est 200. Allez, on fait une gommette si on peut. Mais c'est tellement le bordel sur l'écran. C'est tellement le bordel, les gars. Punaise. Ok, est-ce qu'on peut regarder alors du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres qui sont en train de se fight? Non, pas du tout. Par où peut-on passer du coup? Ah, la grande. On avait vu une grande porte, non, il me semble. Fais voir un peu, peut-être c'était. Pas blindé. Est-ce que c'est par là, peut-être? Peut-être. On va voir. Ok. Pas sûr, on va voir. Hein. Il y a des gardes. Je me souviens pas du tout par où il faut passer par contre. D'accord, peut-être que c'est là, salle d'opération. Allez, on va les opérer nous les mecs, hein. Regardez. On est parti. Allez, on va prendre un petit peu les coups se soigner. On va les dégonder, de toute façon ils vont passer un seul cadavre les mecs. Voilà. voilà. Fais voir, il y en a de partout. Alors il doit bien y avoir du trésor là-dedans, mais bien sûr mon trésor. Qu'est-ce qu'on fait? On les appelle un par un ou quoi? Bah déjà on va aller squeezer celui-ci là. Ok, time to take you down. Là, pauvre, ils vont se faire martyriser quoi, on est 250. Ouais, mais je me doute, tu sais les gros singes qu'on a vu l'autre jour là. On a pris de l'XP, on a pris des niveaux, mine de rien, ça c'est bien. On va aller. Attends, si je peux grimper sur la table, voilà. On va passer par là. Salut les filles, toujours la moustache, on arrive. Vous inquiétez pas, c'est un tango les gars, on est là. Mais les combats ils sont très très sympas en fait. Quand t'as pigé un petit peu. Je vais revenir par là. Voilà. Hop. On a pris des cristaux cœur et on va bien les garder les cristaux cœur parce que on en a besoin. Tu en fais un petit coup de roche là. On pourrait faire de la lave, ouais, on peut faire ça. Si on veut. On a pris un or. Okay. Allez, c'est bon les gars. On va sauter. Sur une étoile, sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier, fais voir un peu. Non, dégage. Ah putain, il est parti le Christ au cœur. J'ai pas réussi à le choper, t'as mémé. Allez, va. On va y aller. Salut les filles, toujours la moustache, venez là. Mais là, peut-être on est peut-être un tout petit peu trop mignon, mais c'est pas grave. Allez, on va. Normal. Pas facile, non. En normal. Parce que. Allez, un petit coup de roche. Un petit aqua et puis après l'aqua on fera empoisonné. On peut pas faire un. Non, on peut pas. Mais le truc. Déséquilibre, attends. Déséquilibre, on va faire ça. Voilà, projection. Ok, je l'ai loupé, par contre le truc c'est pas bien. Ok, quest clé. Cadeau céleste, niveau 2 accompli. Ok, ouais, non. Par contre, tu vois, j'ai loupé le truc. C'est bien dommage. Tora, c'est un bon punch ball, ouais. Pas faux.
Ce qui est bien, c'est que en fait, il attire les ennemis en fait. Et du coup, comme il encaisse bien, t'es tranquille toi à côté derrière. Cristal cœur commun, ok. D'accord. Ouais, c'est un peu plus bas. On sait bien que c'est un peu plus bas, mon copain. Attends, on va regarder un petit peu par là quand même. Aïe, autant pas. Je sais plus par où on est arrivé, par contre, tu vois. Et c'est bien dommage. Je pense. Je sais pas par où on est arrivé du tout. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Non, ça doit pas être ça. Attends, fais voir. On va se charger de celui-ci là. Comme ça, il traînera plus. Mais bon là, il va pas faire long feu de toute façon à 3. À 3 dans l'ob. Ok, fais voir. C'est pas bon. Yep. On va essayer de passer de ce côté-là, juste pour voir. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est pas bon? Ça nous fait sortir, ça. Tiens, on a une porte, là. Salut. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On grimpe, mais c'est pas ça. Il faut qu'on descende, en fait. Mais bon. Tu vois? Poppy Power. Concentration du niveau 2, c'est pas bon. Ah, mince, batterie faible. Pas bien. Pas bien, Loïc. Donc ça c'est pas bon par contre. Il nous faut plus de concentration, donc on la prendra plus tard ça certainement. Qu'est-ce qu'on a à l'extérieur là? Je sais pas si on est sur le bon chemin les filles là. Vraiment. Mais c'est pas grave, regarde. Il y a un coffre. On va aller chercher, c'est le mieux. On fera de l'XP comme ça, c'est pas très grave. Hein. Ça nous permet de faire de l'XP. Allez, on va prendre ce qu'il faut, on va se tourner un petit peu. Par contre, il nous a mis quelque chose, nous là. Petite résistance à la lumière là-dessus. Déséquilibre, fais voir, on peut. Ah non, Fyra, elle est pas prête. Enfin, on a quoi? Voilà. Allez, c'est bon les gars. On va récupérer le coffre par contre. Vu qu'on a trouvé un trésor, on va le prendre. Hein. Eh ben, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. On va se quitter là de toute façon. On va pas trop tarder. Ma femme va pas tarder à arriver. Et puis comme ça, au moins, on aura fait bon live tous ensemble. Mais du coup, on va pas tarder, les amis. Est-ce qu'on peut passer par là? J'ai pas l'impression. Hein, c'est pas par ici. Qu'est-ce qu'on a oublié là maintenant? Ah zut. Voilà. Alors il faut descendre. Oui, je sais qu'il faut descendre, mais il faut descendre. C'est pas aussi loin que ça. Je pense qu'on s'est un peu paumé, mais. C'est bon? Ouais. Donc là, on en vient. On peut passer comme ça. Voilà, regardez, on l'a. Ok, passerelle du hangar, ça c'est fait. On n'avait pas un coffre par là, il me semble. Non, peut-être pas. Je me suis trompé alors. Il m'avait semblé avoir vu un coffre, mais peut-être pas. On va virer la passerelle déjà, et puis comme ça on verra. La clé devrait pouvoir l'actionner. Ok, bah actionne alors. Pourquoi? J'ai pas la clé, c'est ça? Eh, coucou Nelson, comment tu vas? Comment ça va mon chouchou? Toujours pas au lit, non? Ça va. Ça va mon chouchou. Verrouillé de l'autre côté. Là j'ai fait un... Il m'avait pourtant semblé qu'on avait la clé d'ici. Pourquoi? Attends, on va aller regarder un petit peu par là, mais je trouve ça un peu bizarre en fait. Qu'est-ce que tu dis, mon chouchou? Oula. Attendez, parce que là, vous voyez rien du coup. C'est terrible la caméra là. Désolé, hein. Attends, j'ai essayé de passer derrière, voilà. Ok, ça ira mieux. Alors, on va aller prendre avec le grappin. On va faire à quoi? Bien sûr.
Allez, une mine de bol, on fait la roche aussi. Et on est bien fait mort. D'après un anneau, le fil rouge avec le bouton rouge, le fil vert avec le bouton vert. Alors attends, j'ai pas compris l'histoire là. Ah, tutoriel, interlude, vous voyez l'icône flottante là-bas, elle vous indique l'emplacement d'un interlude. D'accord, et eh bien écoute, on regardera ça la prochaine fois. On va en rester là pour ce soir par contre les amis. Ça peut aller demain 15h, rendez-vous avec mon ancien maître de stage en cybercafé pour parler collaboration. Ah, trop bien mon Letson. Je suis désolé, t'arrives à la fin, on va se laisser là pour aujourd'hui. Alors, fais voir, on va contrôler la passerelle. Voilà. Yep, on va aller voir, tiens, le circuit, on va l'allumer. C'est bon, on va aller dégonder les deux autres là-bas. Et puis, on va s'arrêter là pour ce soir, les amis. Salut mon petit doigt, comment tu vas? Bienvenue mon chouchou. Alors, allez, fais voir. Viens ici. Eh ouais, moi aussi je vais bientôt dodo les amis. Bon, ils sont niveau 7, ça va pas nous poser trop de problèmes. Fais voir, on va grimper, on va récupérer ça. Allez, on va assister à l'interlude et après on se quittera là-dessus les amis. Allez, on va examiner ça. Et alors, c'est l'interlude entre qui et qui? L'intérieur d'un cuirassé de titan est bien différent de celui du monocéros, pardon. Quoi est monocéros? Alors, tu l'as vu, Rex, non? Amarré au quartier de Goldmouth. Le navire noir de Jin et compagnie. Ah oui, oui, il est carrément impressionnant et il fonctionne sans être accroché à un titan, c'est ça? Je ne suis pas une experte, mais on dirait bien que ouais. Oh, t'auras curieux, t'auras de voir aussi. Ça risque pas d'arriver, à moins qu'on tombe de nouveau sur ces types de Torna. Mais, t'auras à changer d'avis, plus besoin de voir. Maître Pont change d'avis comme de chapeau. Enfin, le monocéros est vraiment quelque chose, mais ce vaisseau elle n'est pas mal non plus. Bien d'accord, c'est rempli de trucs que je n'avais jamais vu avant, pardon. Bien sûr, vaisseau fabriqué avec technologie Ardienne, dernier cri. Gens normaux, mais vont à bord. Jamais à bord, pardon. Tu parles de technologie dernier cri, mais ce sont surtout des trucs repêchés dans les mers des nuages, non? Pas que. Tu vois pas mal d'améliorations maison. Comme ce truc, tu vois, on a tellement été bidouillé que j'avais aucune idée de ce que c'était à l'origine. Ça, panneau de contrôle transmet signal à nerf de titan. Avec un cap partout entre ici et titan contrôle le signal bien meilleur. Waouh, c'est des longs. Et câble aussi spécial. Vitesse 2x4 plus vite et capacité 12 fois plus capable de procéder câble. Autrement parlé, comparé à d'autres pays, technologie 1000 fois plus devant. Ah, alors si on installe ça sur un vaisseau titan plus petit, ça devrait fonctionner encore mieux. Bingo pont, tout de suite. Alors ils ont l'air de bien s'amuser, mais je comprends strictement rien. Tiens, si tu cherches arrête quelqu'un, j'ai un streamer québécois qui fait du Minecraft, il est super, c'est pas de boil. Ouais, je sais pas si je ferai un raid ce soir, je pense qu'on va arrêter là tout court. Alors conversation pas si compliquée, pourquoi Maître Pont aussi fier? Ouais, conversation pas si compliquée. Conversation est pas si compliquée, vraiment. Poppy a accès à nombreuses informations. Informations techniques sur intérêt des maîtres ponts sans particulièrement étendue. Alors Poppy, aucun problème pour suivre conversation. Je bois un coup parce que c'est terrible ce jeu. C'est terrible pour ça ce jeu, mais vraiment.
Comment va la petite et ta moitié? Alors, si besoin, Poppy peut utiliser jargon encore plus technique que Maître Pont. D'accord, compris. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Pas de problème, Nia. Poppy peut aussi discuter de plats d'insectes préférés de Nia. C'est gentil. Mais ce que j'aime, c'est pas les insectes, c'est les poissons. Ah, Poppy a mis à jour base de données. Erreur arrive si Maître Pont pas assez méticuleux pendant saisie de données, bien sûr. Tora, alors comme ça, j'aime les insectes. Mais Tora s'en menace soudaine. Rex, est temps de partir si Ami Pont reste ici, chose terrible pourrait se produire. Comme quoi, pas de temps à expliquer. Hop. Allez, on va s'arrêter là. On va sauvegarder. Vous avez assisté à un interlude technologie ardienne. Ok, il y a plusieurs interludes à débloquer. D'accord, ils sont là tous les deux, mais on va les laisser tranquilles. Ce qu'on va faire, c'est passer comme ça. On va sauvegarder, on va s'arrêter là, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve pour notre part à partir de demain. Et je pense que ce sera aux alentours de 17h et des brouettes. 17h30. Si je peux en lancer un tout petit peu plus tôt, je le ferai. On verra un petit peu. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée, une bonne nuit. Et à très très vite, les amis. À demain. Bye bye. Merci. Ok, c'est par là. À tantôt, mon petit doigt. Merci à tous. Bonne soirée et bonne nuit. Bye bye. Ciao. Merci.